Non, c'est bien pour sur les téléphones portables. Ah non, je vais aller aux chiottes. Hop, vous jouez à ça. Hello? Where are you? You're missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit jeu sympatoche à jouer, quoi, peut-être un petit quart d'heure d'aller vous coucher, le temps de se détendre, tranquille, voilà, après avoir passé une soirée sur des jeux, ça vous a bien agacé, et là vous allez après sur Silter.io, ça va vous détendre, normalement. Donc qu'est-ce que Silter.io? C'est un petit jeu de serpent où vous devez manger des petits points qui vous permet de grandir, de grossir et ensuite de pouvoir combattre d'autres serpents. Mais c'est pas parce que vous êtes grand, long, gros que vous êtes le plus fort. Eh non, vous allez comprendre. Donc une fois que vous avez mis votre pseudo, là, vous cliquez sur jouer. Donc là, ça, voilà, ça tourne, faut attendre un petit peu. Voilà. Donc là, quand vous commencez votre partie, vous êtes tout petit. C'est un tout petit serpent tout mignon. Le principe du jeu, c'est donc prendre tous les points qu'il y a sur la carte. Plus vous prenez de points, plus votre serpent grandit, comme vous pouvez voir. Pour connaître le nombre de points que vous avez, en fait, c'est tout ce que vous mangez là, c'est des points en fait. Pour connaître votre point actuel, c'est en bas à gauche, il y a marqué votre longueur. Ma longueur, elle est de 94 maintenant. 97, voilà. Plus vous avez de points, plus vous êtes grand. Et pour vous donner une idée, là tout de suite, je suis à 134. Quand vous regardez en haut à droite, liste des gagnants, là, les 10 premiers, le premier il a 24 000 points. Donc imaginez un petit peu la bestiole qu'il doit avoir. Ensuite, le principe du jeu, c'est d'être bien entendu classé dans les premiers. Et pour pouvoir être dans les premiers, il faut être le plus grand. Et il faut, il est en train d'essayer, il faut éliminer les autres serpents. Par exemple, pour pouvoir éliminer lui qui est en train de tourner autour de moi là, il faut que sa tête à lui touche mon corps. Si sa tête touche mon corps, il est mort, donc il va perdre tous les points. Vous allez comprendre comment. Je vais essayer d'en faire un si j'y arrive. Hein, parce que c'est pas dit que je gagne le premier coup non plus. Hein. Voilà. Donc là, sa tête, vous voyez, sa tête a touché mon corps. Donc du coup, il perd. Et il perd tous les points qu'il a gobé. Donc, c'est moi qui récupère les points. Enfin, c'est moi. Et vous avez d'autres, s'il y a d'autres proies à côté de vous, c'est eux qui, eux aussi, peuvent les prendre. Voilà, comme là, j'ai voulu essayer de prendre les points. Par ici. Un petit peu. Donc, bah, vous avez compris que bah, le but du jeu, c'est d'être dans les 10 premiers. Alors, petite astuce. C'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes le plus fort. Bah lui par exemple, vous voyez là il était quand même assez balèze celui-là, et là je me permets de prendre aussi des points. Plus vous êtes gros, moins vous pouvez vous déplacer, enfin vous êtes moins rapide dans vos déplacements. Du coup les petits serpents bien hargneux, bien vivaces, ils vont très très vite, ils peuvent vous enfin, toucher, il peut arriver à ce que votre tête pardon touche son corps, son tout petit corps minuscule. Donc il faut être très rapide, faire très attention, et comme je dis, c'est pas parce que vous êtes très gros que vous êtes le plus fort. Il faut être tout simplement malin. Donc là on va faire quelques parties ensemble. Là, par exemple lui il est plus gros que moi et je vais essayer de le... Donc pour pouvoir se déplacer par rapport à votre tête, vous voyez ma souris. Si je veux aller à gauche, j'oriente ma souris vers la gauche. Si je veux aller à droite, j'oriente ma souris vers la droite. En fait le serpent suit votre souris. Ensuite, pour pouvoir accélérer, il faut tout simplement rester cliqué sur le gauche. Je clique gauche et je reste appuyé, tac tac, et j'avance très très rapidement. Et par contre, plus vous faites ça, plus vous reperdez vos points. Donc vous allez voir là, vous voyez là, tout ça, c'est à moi tout ça. Donc je viens d'accélérer. Quand on accélère, on perd des points. Vous allez comprendre, là je suis à 1480. Si j'accélère, je vais redescendre. 1460. Voilà. Donc il faut faire très attention quand vous le faites. Voilà, vous pouvez reperdre un peu des points et votre serpent lui redevient maigrichon. Bon, on va essayer
va prendre des petits, mais on prend. Ah, là, là. On va tout prendre. Bon, des fois, c'est rageant pour celui qui a réussi à éliminer une proie et que c'est les autres qui viennent prendre les points. Et ces fois, c'est rageant. Mais c'est le but du jeu. Et voilà. Donc, voilà. C'est un petit jeu sympatoche. Vous pouvez aussi jouer sur vos téléphones portables, bien sur iOS ou Android. Vous pouvez trouver l'application dans votre store. Bon, c'est moins pratique hein, que faut y jouer avec le doigt, c'est pas forcément évident. Mais j'ai ma femme qui joue avec, hein. Elle y arrive très bien. Et voilà, c'est un petit jeu de détente tranquillo. Voilà, comme je disais, avant d'aller vous coucher, petite détente. Mais bon, des fois ça vous détend pas, hein. Des fois ça énerve, hein. Faut pas rêver. Hein. Non, c'est bien pour sur les téléphones portables. Ah non, vous allez au chiottes, hop, vous jouez à ça. Donc bah, la durée, ça peut durer autant de temps que vous voulez. Tant que vous ne perdez pas, bah, vous restez toujours dans la partie. Si vous perdez, bah, vous recommencez une partie à zéro. Il n'y a pas de limite, c'est illimité. Je vais essayer d'en faire un là quand même. Et je crois que j'en ai pas eu un seul, je crois. Oh, il est nerveux. Hop, allez, parce que hop, bah voilà. Voilà, donc bah, comme j'ai perdu, bah, je perds tous mes points et les autres ils viennent les récupérer. Voilà, allez, on en refait une autre. Voilà. Quand vous recommencez, bah, vous êtes tout petit mignon. Là, comme vous pouvez voir, je suis assez vivace. Alors, par contre, au début, il faut vraiment en prendre au maximum les points parce que vous pouvez pas aller très vite tout de suite. Parce que vous voulez aller vite, et bah, il faut avoir des points d'avance. Là, j'ai 147 points. Et si je veux accélérer un coup, bah, si j'accélère par exemple là tout de suite, bah, je perds tous mes points. Et après, bah, vous pouvez plus accélérer. Donc là, je viens de voir que je faisais pas forcément attention. Sous ma longueur, là, je suis en 35. Il y a votre rang. Donc là, je suis le rang 266 sur 582. Donc là, il y a 582 joueurs pour cette partie-là. Donc quand vous perdez et quand vous refaites une partie, vous ne vous retournez pas forcément avec les mêmes joueurs. Il doit y avoir plusieurs qui... Enfin, hop là, j'ai merdé, chef. Allez, on en fait une autre, une petite dernière. Donc là, la graphique, là, vous pouvez changer un peu si vous voulez avoir le graphique en graphique amélioré ou standard. Moi, c'est un graphique amélioré. Voilà, si vous n'avez pas un débit magnifique ou voilà, ou vous êtes en train de télécharger un jeu ou tout ce que vous voulez, bah, vous pouvez vous mettre en low. Ça demande moins de qualité, donc moins de débit ou tout ce que vous voulez. Voilà, moi, je suis pas un expert là-dedans. Moi, je suis un joueur, je suis pas un informaticien. Allez, on va essayer de. Vous pouvez se classer dans les 10 premiers, ce serait sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon voilà, après il y a aussi un coup de chance, malchance, voilà, tout dépend comment ça peut se passer dans la partie, trop de monde, vous êtes trop groupé ensemble, parce que des fois vous pouvez vous retrouver là comme là on est bien de manger un coup lui. Hop. Vous êtes je sais pas 4-5 l'un à côté de l'autre, voilà, ça te bouscule, ça te bagarre pour choper l'autre, voilà, ça peut merder, c'est... Vous voulez pas faire partie de la petite bagarre et puis bah voilà, vous faites partie de la bagarre sans le vouloir. Voilà, après il y a les petites astuces à vous de découvrir. Si vous voulez connaître la mienne, en fait je me mets. Hop là. Si vous regardez bien en bas à droite, vous avez la sphère donc qui représente la carte. Et votre position elle est représentée par un gros point blanc. Et vous voyez là, j'ai beaucoup accéléré, du coup j'ai quasiment pas de points. Je prends des points, mais comme j'accélère sans arrêt, du coup j'ai plus rien, donc j'avance pas vite. Moi, ce que je fais, en fait, je me mets vers l'extérieur de la sphère. Après, vous pouvez pas le dépasser. Hein. Si vous cherchez à le dépasser, vous allez mourir. Et je fais le tour de la sphère en ramassant le maximum de points. Comme ça, petit à petit, je me fais un petit corps tranquille, quelques points d'avant pour accélérer et tout. Et après, j'attaque. Et après, bah, ça passe ou ça casse. Ah, il a voulu attaquer. Oh, bah, lui, il va essayer de m'en attaquer. Je le sens bien. Oh, ah, bah, j'ai perdu. Ah, on en fait une petite dernière. Bon, en général, c'est ça. Allez, une dernière. Oh, une dernière. Et des fois, ça peut durer des heures. Alors, vous allez vous coucher vers 11h et à minuit, vous êtes encore dessus. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Oui, je le sens bien, lui. Non, je le sentais pas. Non, je le sentais pas, en fait. Non. Ouf. Vous avez vu? Il a été plus rapide que moi. J'étais un petit peu trop loin à me déplacer.
par rapport à ma taille et à sa taille, vous voyez que voilà, c'est un exemple. Donc c'est la même chose avec les gros 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 gros, bah si vous êtes 2 fois, 3 fois, 3, 4 fois plus petit que lui, bah vous avez plus de chances de le tuer que lui vous tue en fait. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, c'est un petit jeu de détente, il y en a beaucoup comme ça sur internet. Alors je précise, ce n'est pas du tout un petit jeu à installer. Vous allez tout simplement sur le site slitter.io, le lien est dans la description de la vidéo. Vous allez sur le site, vous arrivez directement sur cette page-là. Ensuite, vous mettez votre pseudo et vous cliquez sur jouer et c'est parti. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous avez juste à garder la page dans vos favoris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres petits jeux sympatoches. Bon jeu, à plus, ciao ciao ciao. Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu train.